Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre saison se déroule pour le mieux et que vous faites de belles sessions. Je suis vraiment content de vous retrouver sur ma chaîne, alors merci à tous d'être toujours un petit peu plus nombreux sur ma chaîne malgré mon rythme de vidéo un peu aléatoire. C'est pas toujours évident de trouver les bons sujets et le temps pour tourner des vidéos, donc je vous remercie quand même parce que vous êtes toujours un peu plus nombreux chaque mois à me suivre et ça fait vraiment plaisir. Donc j'espère que mes vidéos vous donnent des petites astuces et que ça peut servir à pas mal de monde. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet parce qu'on me demande souvent en boutique d'aborder un problème, alors que ça soit beaucoup pour les débutants ou pour des confirmés qui pêchent de plus en plus ce carnassier. C'est la question un petit peu pointilleuse du bas de ligne. Qu'est-ce qu'on prend comme bas de ligne en fonction du type de poste abordé et puis surtout du poisson recherché? C'est un sujet qui pose pas mal de problèmes à beaucoup de monde. Je croise beaucoup de monde en boutique qui est vraiment partagé entre les différents matériaux qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc je vais essayer avec mes connaissances, mon point de vue sur le sujet, qui n'est pas la vérité absolue parce que personne ne la détient. Hein. En pêche, il y a toujours des choses à tenter et des avis divergents. Je vais juste vous donner moi les infos que j'ai, le retour que j'ai par mes expériences en sortie de pêche. Donc j'espère que ça pourra servir à pas mal de monde. Je vais essayer de vous détailler un petit peu le plus rapidement possible les différents matériaux qu'aujourd'hui on en a à disposition pour pêcher au carnassier. Donc on va uniquement parler de bas de ligne, pas de corde de ligne, hein. Chacun fait comme il veut, on peut pêcher tresse ou nylon, ça c'est un sujet que chacun aborde et j'aborderai peut-être la chose dans une autre vidéo, mais pour l'instant on va s'intéresser vraiment à la partie terminale de la ligne, c'est-à-dire le bas de ligne, voilà. Donc aujourd'hui on voit principalement émerger trois types de matériaux. On aura du titane. Donc le titane, c'est un matériau qui a la faculté, la propriété de n'avoir aucun effet mémoire. Donc c'est-à-dire que si je le laisse, même avec une boucle comme ça, en le défaisant simplement, on constate que le titane revient instantanément en position droite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet mémoire. Je peux essayer de le tordre à la main comme ça, on n'a pas du tout d'effet mémoire. Le titane reste toujours raide et revient dans sa position originale. Donc le titane est bien, par contre c'est un matériau qui est quand même assez sensible. Donc là j'ai un bas de ligne tout fait, par exemple d'une bonne marque. Hein. Le titane a avoir cette particularité, c'est qu'on ne peut pas transiger sur la qualité. C'est-à-dire qu'un titane qui est mal slivé, donc la slive c'est les petites pour les personnes qui ne connaîtraient pas trop les termes, c'est la petite partie métallique qui vient justement écraser les deux morceaux de titane pour faire une boucle et y attacher donc un émerillon ou à l'autre bout une agrafe. Le slivage d'une partie en titane est très compliqué. C'est-à-dire que si on le serre trop fort, le titane peut devenir cassant. Donc ça, c'est gênant. Donc pour ma part, je conseille toujours, si vous voulez pêcher avec du titane, d'acheter des matériaux, des bas de ligne tout montés déjà, tout prêts, de bonne marque. Il faut mettre le prix parce que des titanes pas trop chers, des bas de ligne en titane pas trop chers, souvent c'est des qualités aléatoires. Donc le titane, par contre, au-delà de sa qualité, donc d'être toujours en position raidi comme ça, d'avoir aucun effet mémoire, on peut le compresser comme on veut, ça revient systématiquement à sa forme originale. Il faut mettre la qualité. Un bon bas de ligne titane, on va sur les prix moyens du marché, autour des 3, 3,50, le bas de ligne monté. Par contre, voilà, si on a de la bonne qualité, un bas de ligne titane est génial parce que d'une part, c'est un excellent anti-coupe et il va avoir la faculté de vous apporter justement cette rigidité sur la partie du bas de ligne. Donc là, le titane, on va commencer par ce matériau-là dans la vidéo, c'est-à-dire que le matériau du titane va vous apporter la rigidité, justement, il va vous aider dans certains types de pêche. Alors, moi, je l'utilise très rarement parce qu'en fait, je trouve qu'il s'adresse à un type de pêche bien particulier. C'est sur des pêches où on va avoir des animations un petit peu sèches ou brutales, entre guillemets. Je m'aperçois qu'en fait, le titane va vous aider dans des pêches notamment au jerk, donc des jerks de ce type Buster, hein, que tout le monde connaît, sans faire de pub en particulier. Pourquoi? Parce que ces animations-là, souvent, sont Walking the Dog avec un balancer de canne un petit peu type métronome. Et on va avoir besoin justement d'une certaine rigidité pour pouvoir imprimer ses saccades au leurre et pouvoir lui faire faire des dérives Walking the Dog propres, même si c'est lent, si c'est pas trop agressif. Il faut de la rigidité pour emmener à chaque fois votre leurre faire ce droit de gauche. Donc, ça c'est valable aussi par exemple pour tout ce qui est jerk minnow, donc le jerk classique comme on a vu avec le Buster, les jerk minnow donc à bavette, qui eux vont avoir besoin justement d'une certaine rigidité pour pouvoir avoir aussi une action un petit peu sèche et un petit peu saccadée. Donc le titane là-dessus va être super pratique, en tout cas pour ces deux pêches-là. Je trouve que pour le reste, c'est un matériau qui peut poser problème parce que c'est un matériau quand même assez dense.
moi, que je trouve peu discret, mais par contre, quand on jerk, souvent les jerks sont utilisés par des temps, alors pas toujours, hein, c'est pas la vérité absolue, mais par des temps pluvieux où il y a beaucoup de perturbations. Donc, à la limite, le fait que ce matériau soit très rigide et un peu résonnant, pas forcément discret, ça vous aidera dans votre animation donc à bien pêcher. Donc, d'une partie de cette partie-là, ça pose pas de problème. Après, je trouve que comme c'est un matériau qui est très raide et un peu dense, le souci, c'est que sur des pêches où on va avoir des besoins d'animation plus linéaire, de prendre un peu plus son temps, surtout de faire des pauses, notamment au poisson nageur. Donc là, je reviens sur mon jerk minnow. Le jerk minnow, on peut utiliser ces badines titane parce qu'ils ont une certaine finesse et donc une grosse solidité. Le souci, c'est que comme c'est très dense, à la pause, souvent, on va avoir le badine titane qui va descendre avant le leurre. Donc si on a un leurre qui a un slow sinking comme le BKS que je présente très souvent dans mes vidéos, le problème c'est que le badling va souvent passer devant et ça peut poser problème. Soit sur une attaque de poisson, le badling va être chopé en premier et on risque de ne pas pouvoir faire rentrer le leurre correctement dans la gueule du poisson et ainsi de suite. Donc sur des pauses, je trouve ça gênant. Donc c'est pour ça que le titane, j'utilise vraiment souvent sur des pêches un peu actives au jerk, que ce soit à l'entour rapide, mais où il n'y a pas éventuellement trop de temps mort. Donc par contre, voilà, c'est un matériau qui est génial parce que voilà, il n'y a pas d'effet mémoire, il peut être mâchouillé par le poisson, on le voit bien, ça revient systématiquement dans sa position originale. Par contre, très raide, assez dense, donc sur certains types de pêche, le titane est très pratique. Donc on va passer au second matériau qui, lui, je trouve, est vraiment un bon compromis. C'est ce qu'on va trouver régulièrement, c'est le badling acier. Alors, le badling acier, j'espère qu'il se voit bien à la caméra, là. Là, on le voit que c'est beaucoup plus souple. On va avoir pareil des badlings acier de qualité montés avec des émerillons et des agrafes de l'autre côté, ce qui va vous permettre d'être prêt à pêcher, raccordé avec votre corde de ligne, vous attachez votre leurre, c'est prêt à pêcher. L'avantage du badling acier, c'est qu'il existe aussi en plusieurs diamètres, mais il va être beaucoup plus léger. Donc on va pouvoir du coup prendre un peu plus son temps, c'est un matériau qui lui va descendre un peu moins vite que le titane, donc on va pouvoir l'adapter quasiment à tous les types de leurres. Par contre, sur des jerks où on a besoin de rigidité devant, comme des vrais jerks sans bavette, des busters comme ça, ça peut être gênant parce que comme le fluorocarbone dont on va parler après, le souci c'est quand on a trop de flexibilité et trop de fluidité, souvent le jerk quand il fait son va-et-vient droite-gauche, il va venir choper le badling et on se retrouve avec le badling emmêlé dans les hameçons. Donc c'est plus pêchant. Donc, le badling acier, moi j'utilise beaucoup quand je suis sur des secteurs où je sais qu'il y a un gros potentiel de brochets mélangés aux cendres et aux perches et que j'ai envie d'avoir des leurres petits et légers, donc ça sert à rien de mettre des gros fluoros par exemple ou des badlings de gros fort diamètre en pêche. Donc le badling acier il est bien parce que du coup lui il va s'adresser à tous les types de leurres sauf aux gros jerks comme on a vu juste avant, cuillère, chatterbait, leurre souple. Lui, il va être pratique parce que c'est un petit peu le matériau à tout faire. Il vous évitera de vous faire couper dans la plupart des cas. Vous allez pouvoir affiner en fonction de votre type de pêche parce qu'il existe bien sûr plusieurs diamètres. Alors, il en existe en rouleau que vous pouvez sliver aussi. Ça peut permettre de faire différentes longueurs. Maintenant, vous trouvez dans le commerce pratiquement toutes les longueurs, hein, 30, 40, 50. Ça suffit largement en bas de ligne. Ça vous fait le fusible nécessaire, même sur un gros broc, si c'est engammé profondément. Ça vous suffira pour faire le fusible et pas vous faire couper. Donc l'acier, je trouve, c'est un des plus pratiques, entre guillemets, dans le sens où vous n'avez pas trop à vous poser de questions sur tout ce qui est leurre à tirer à palette, chatterbait, leurre souple, même poisson nageur. Donc là, on en revient sur des petits jerk minnow comme ça. Lui, il va vous permettre justement de pêcher correctement avec quasiment tous les leurres, à part les gros jerks, parce qu'on a besoin de vraiment beaucoup de rigidité devant. Donc l'acier va s'accorder pratiquement avec tous les leurres. Et lui, du coup, il est un peu moins dense. Et il va quand même du coup vous permettre de faire des pauses parce qu'il va descendre moins vite qu'un badling titane, donc il passera pas devant votre leurre à la pause. Donc le badling acier c'est un des plus pratiques et puis un des moins coûteux. On trouve aujourd'hui, bah, c'est un peu comme les tresses, on trouve plusieurs nombres de brins qui vont faire la résistance. On peut trouver de 3, 5, 7 kg jusqu'à 12, 14 kg. Il existe plusieurs variantes. Hein. Là, bon, j'ai un badling de chez Savage que je trouve très bien monté par exemple. Il existe multimarque hein, chez Cert. Tous les bons fabricants ont leur bon badling acier. Souvent, on les trouve prémontés. Donc c'est très pratique. Le seul point négatif qu'on va trouver, parce qu'il y en a toujours sur chaque matériau, on va rester le plus objectif possible, c'est que le badling acier, lui, par contre, quand il va avoir fait plusieurs poissons, quand on va l'avoir compressé, qu'il aura été plié un petit peu, il va garder un effet mémoire. Là, on le voit, je l'ai juste plié légèrement. On voit déjà qu'il y a un tout petit angle qui s'est formé ici. Donc, le problème du badling acier, c'est qu'il a une durée de vie qui va être très limitée. Il va être efficace parce qu'on se fera très peu couper.
Ça permettra de pêcher quelque chose de fin sans se faire couper, mais par contre, c'est l'effet mémoire qui va être gênant. C'est-à-dire que le badine acier, lui, il va avoir une durée de vie très très courte. On va faire un ou deux poissons, si c'est plié dans le bord de gueule sur un combat un peu dur, bah, le badine va rester tordu. Bon, après, au niveau coût, c'est quand même un des matériaux les moins chers qu'on peut trouver sur le marché, donc une pochette de bon badine acier, même si on est sur du 5 euros les 3, ça reste quand même plutôt correct. Et du coup, c'est un matériau qui, lui, va pas trop vous gêner, à part sur les gros jerks. Voilà, donc là, on pourra utiliser du souple, du leurre à palette, tout ce qu'on veut. Donc le badine acier, pour moi, c'est un compromis, un des plus intéressants. On va être quand même sur quelque chose d'assez discret, mais c'est sa durée de vie qui, lui, va être le point, entre guillemets, le point noir de ce matériau. Voilà. Donc pareil, comme on a dit, on peut le trouver tout près ou le trouver en rouleau. Le sliver se slive très bien, c'est un peu moins délicat à sliver qu'un titane. Voilà. Et ça sera surtout beaucoup moins rigide. Donc on pourra faire des animations plus lentes et des animations un peu plus discrètes. Et on pourra jouer sur la finesse justement pour aborder des poissons un peu délicats ou des postes un petit peu surpêchés. Et le troisième matériau, là où je voulais en venir aussi, donc le titane, l'acier, on arrive sur le fluorocarbone, qui est aujourd'hui un matériau qui est un des plus utilisés. Beaucoup d'avantages, il y a des inconvénients aussi, bien évidemment, hein. Il y a toujours un plus et un moins dans chaque matériau, donc le fluorocarbone qu'on va trouver hein, sur différentes marques, ça ressemble à un nylon. Alors il y aura souvent deux qualités, ça on me le demande souvent en magasin et c'est pas assez relayé je trouve, c'est qu'il y a deux qualités, on va avoir du hard mono qui va être beaucoup plus raide et qui lui va être un peu moins élastique que le soft. C'est important parce que le soft on va souvent, il y aura peut-être des avis contradictoires, mais je trouve que le hard mono, en tout cas sur le brochet, est à préférer parce que c'est un matériau qui va être certes plus raide, mais en tout cas, sur sa tension et sur sa mise en tension sur un ferrage ou sur un combat, il va avoir moins d'élasticité qu'un soft. Donc, il aura tendance à moins couper, notamment sur un ferrage appuyé. Donc, le hard mono, je le préfère nettement sur les pêches de brochet, en tout cas, je trouve qu'il coupe beaucoup moins facilement qu'un soft. Le soft, lui, par contre, aura la particularité, du coup, d'être un peu plus mou qu'un hard mono. Donc du coup, sur des pêches de poissons un petit peu plus sensibles et puis où le risque de coupe est quasiment nul sur l'aspe, sur le chevesne, sur le sandre, sur la perche, du coup un soft lui sera beaucoup plus fluide, donc on aura une présentation de leurre des fois un peu plus discrète sur des leurres très légers par exemple. Voilà, en tout cas sur le broc, pour éviter de se faire couper, privilégiez les hard mono. Déjà c'est un distinguo qu'il faut faire, ça c'est important parce qu'on le relaye pas assez je trouve sur les infos ou en magasin, et la qualité du fluorocarbone est à déterminer par rapport au poisson qu'on cherche, ça c'est important. Alors le fluorocarbone, ses avantages, c'est qu'il se décline souvent en bobine. Hein. Donc là, on a du gros diamètre en 75, par exemple, de chez Fox. C'est des bobines de 30 mètres. On les trouve souvent en bobines de 30 mètres, 50 mètres. On peut trouver des bobines un peu plus généreuses, mais l'avantage, c'est que du coup, bah, le rapport mètre linéaire et coût, même si on prend une très bonne qualité, comme du DFC, comme du PVDF, ça vaut le coup de mettre le prix, mais on a des matériaux de qualité. Et là, l'avantage, c'est qu'avec un rouleau de 30 mètres, on peut se préparer des badlings de la longueur qu'on souhaite. Alors, ça se sleeve très bien. Donc, si pour les personnes, je sais qu'il y en a sur les gros diamètres qui aiment bien sliver, ça se sleeve vraiment très bien. Et puis, comme on peut faire la petite boule d'arrêt avec un briquet, ça peut se verrouiller en plus pour être sûr que le sleeve ne glisse pas. Ça se noue très bien aussi. Même sur les gros diamètres, il y a toujours des nœuds type nœud coulant où on peut utiliser. Donc, ce qui est bien, c'est que sur le fluorocarbone, bah, on détermine soi-même la longueur de son badling, la qualité du badling qu'on veut, et puis c'est surtout que c'est extrêmement discret. Le fluorocarbone était fait pour ça, c'est un indice de réfraction quasiment nul à la lumière, donc en fait ça reste quasiment invisible sous l'eau. Donc c'est ça une de ses premières propriétés. Quand on pêche des secteurs très transparents ou des secteurs très sollicités, le fait d'apporter un peu de discrétion sur le badling peut faire la différence. Notamment sur les lacs de montagne ou en mer quand les eaux sont extrêmement claires, un gros fluorocarbone. Un fluorocarbone va être préférable à du titane par exemple, qui est loin d'être discret, ou par rapport à un acier qui se verra forcément plus. Donc avantage, c'est que la longueur, vous pouvez la choisir avec le fluorocarbone. Le rapport prix mètre linéaire pour confectionner les badlings est quand même relativement faible, même si vous prenez une très bonne qualité. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi, du coup, sur le fluorocarbone, vous faire une liaison entre deux diamètres. C'est-à-dire que si vous pêchez en tresse et que vous abordez un secteur, par exemple des lacs de montagne ou des secteurs en mer où il faut mettre des grandes têtes de ligne, pour d'une part écarter les vibrations de la tresse et vous apporter beaucoup, beaucoup de discrétion. Sur les pêches de sparidés, on le voit souvent, on est obligé de mettre 6-7 mètres de fluorocarbone avant le leurre. C'est des poissons qui étudient très bien les montages. Et l'excès de discrétion n'est pas toujours une mauvaise chose à avoir, surtout sur ces poissons-là. Ou sur le bar, on va avoir tendance à se faire des grandes têtes de ligne. Donc l'avantage, c'est que le fluorocarbone se raccorde très bien avec la tresse, avec des nœuds plus ou moins compliqués. On a les nœuds FG, les nœuds Albright. Le mieux, c'est d'avoir un bon nœud qui passe dans les anneaux. Donc on peut se faire une tête de fluorocarbone, par exemple, en 6-8 mètres de longueur, avec du 30-35 centièmes.
et se faire un bas de ligne anti-coupe, donc du coup avec un diamètre plus gros. Ça, c'est souvent utilisé donc du coup bah, par les pêcheurs qui pêchent les gros lacs alpins ou les lacs jurassiens, où on a besoin d'une grande discrétion, ou sur des grands lacs type Madine, des choses comme ça, ou sur les grandes bases de loisirs quand on a des eaux très claires, c'est très bien d'apporter le maximum de discrétion, puisqu'on peut le faire avec la longueur du fluorocarbone. Voilà, c'est beaucoup moins de contraintes, ça se noue très très bien, ça se sleeve. Et du coup, si vous avez une tête en 30 centièmes, vous pouvez faire un anti-coupe si vous savez que le secteur est très prisé par les brochets, avec un, par exemple un 75 en bas. Donc vous faire un tout petit morceau de 40, raccordé à 6 mètres de fluorocarbone en 30 centièmes, c'est ce que beaucoup, beaucoup de pêcheurs de brochets font normalement. Du coup, ça c'est beaucoup d'avantages, mais il y a des inconvénients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, pêcher constamment avec du 70 centièmes en bas de ligne, en fluorocarbone. Le souci, c'est souvent la recherche du bon diamètre par rapport au risque de coupe. C'est-à-dire que si on aborde une pêche de cendre et de perche, on va souvent avoir besoin de discrétion, de finesse. Donc on va pouvoir pêcher sur des secteurs peu encombrés en 22, 25, 28 centièmes, 30, 35, mais ça reste fin. Sur un brochet, si c'est engammé, ça se passe régulièrement très mal. C'est souvent des diamètres qui vont être coupés facilement. Donc le problème, c'est qu'on va avoir à ajuster son diamètre en fonction aussi des leurres qu'on a. Parce que bien évidemment, si on colle un 75, 80 centièmes comme là, devant un petit poisson nageur qui a une toute petite bavette, le poisson nageur ne nagera plus. On va complètement casser sa nage parce que le diamètre devant est trop fort. Donc souvent, c'est bien de passer justement sur un bas de ligne acier, mais quand on a besoin de discrétion, il faut du coup réduire son diamètre de fluorocarbone. Donc, c'est un risque à prendre, c'est qu'il faut toujours trouver le bon compromis. Si vous savez qu'il y a beaucoup de perches et de cendres et très peu de brochets, là, clairement, on fait une tête de ligne et un bas de ligne continu en 25, voilà, comme on a dit, 22, 25, 28, 30, et ça suffira largement. Par contre, si vous savez qu'il y a une très belle population de brochets, quasiment autant d'individus que les autres carnassiers présents, ça devient risqué. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on se fait couper une fois, deux fois, trois fois. Alors, certes, ça fait mal au porte-monnaie parce qu'on perd des leurres. Et deuxièmement, on a un impact sur le poisson, c'est-à-dire qu'on lui laisse un leurre dans la gueule. C'est pas du tout intéressant, c'est pas le but de beaucoup de pêcheurs actuellement, c'est d'éviter de laisser des pins dans la gueule des poissons. Donc il va falloir justement choisir judicieusement votre bas de ligne. C'est-à-dire sur des poissons nageurs voilà, que j'affectionne moi beaucoup, je pêche beaucoup au jerk minnow comme ça, alors avec des petites bavettes, c'est des poissons nageurs qui sont sensibles, très bien équilibrés, et clairement on ne pourra pas pêcher avec du 80 centièmes en haut. Donc souvent, il va falloir trouver le bon rapport pour aborder votre plan d'eau, pour limiter les risques de coupe, et pouvoir faire nager correctement votre leurre. Autant sur un big bait ou un chatterbait, on peut, ou un gros leurre souple, un gros swimbait, on peut mettre du 80 tout le long, il nagera correctement. Sur des leurres un petit peu pointilleux, comme les poissons nageurs, ou des leurres qui ont besoin de pas mal de souplesse et de finesse pour nager correctement, là, ça va poser problème. Donc, il va falloir réduire le diamètre de votre bas de ligne en fonction aussi de votre leurre. C'est-à-dire sur un poisson nageur, généralement, j'excède rarement 40-45 centièmes. Parce qu'au-delà, on casse la nage du leurre et ce n'est pas intéressant. Donc, sur le fluorocarbone, si on peut dire que c'est un des défauts majeurs, c'est qu'il va falloir trouver le bon compromis entre le diamètre idéal pour ne pas se faire trop couper et le diamètre idéal pour que vos leurres nagent constamment. Donc voilà, ça va être un choix un petit peu compliqué à faire, mais qui, au fur et à mesure, quand vous avez vos habitudes de pêche, un bon 45 centièmes de qualité vous aidera à mettre un brochet au sec avec un frein bien réglé. Le travail de la canne, c'est toujours pareil, c'est souvent quand on bride un petit peu fort que ça tend à couper ou quand on ferre trop fort. Donc un bon 45 centièmes, 50 centièmes vous permettra de faire nager des leurres un petit peu pointilleux, un petit peu léger. Et après, si vous êtes sur du big bait, sur des gros leurres souples, là clairement vous pouvez mettre minimum 70. Ça limite quand même considérablement tout risque de coupe. Après, il y a des journées où on se fait couper net à la touche sur 80-90, ça arrivera toujours, mais c'est extrêmement faible. Voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à y voir un peu plus clair sur les différents types de matériaux. Aujourd'hui, c'est les trois principaux matériaux qu'on trouve sur le marché et qu'on utilise assez simplement, puisque finalement, on fait un petit peu ce qu'on veut. On trouve des matériaux tout montés, même en fluorocarbone, vous avez des balines maintenant qui sont déjà prémontées. Donc vous avez juste à acheter votre pochette, raccorder votre corde de ligne, le leurre à la graffe et on pêche. Donc le titane, l'acier et le fluorocarbone, vous les trouvez déjà tout prêts en magasin si vous ne voulez pas vous embêter à les monter. Après,
Sur l'acier, c'est très facile à sliver. Le fluorocarbone aussi. Le titane est très délicat. Donc moi, le titane, je l'achète toujours tout fait parce que je trouve que c'est un matériau qui est quand même compliqué à sliver. Et voilà, son utilisation est quand même très restreinte sur le marché du leurre. Voilà, ça vous aide beaucoup sur des jerks. On a besoin d'un, vraiment de rigidité pour justement que le leurre ne vienne pas choper le babine à chaque fois. Si on a un babine trop souple, on va toujours emmêler les hameçons dedans. Donc j'utilise très souvent soit l'acier, soit le fluorocarbone parce que c'est tellement pratique, ça se noue facilement, ça se slive facilement. Et le coût de revient par rapport aux bobines est relativement peu élevé. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été assez concis, assez rapide et que ça vous aura donné 2-3 petites infos suffisantes pour pouvoir faire votre choix rapidement en fonction de votre lieu de pêche et ainsi de suite. Après, voilà, il arrive que parfois, quand on est sur des secteurs perche-cendre, sur des fleuves, notamment des rives verticales, il arrive qu'un brochet s'invite dans la partie. Donc si vous vous faites couper trop facilement, plutôt que d'avoir à vous dire mince, il faut mettre un gros fluorocarbone pour plus faire couper et là se priver éventuellement de la discrétion sur les perches et les cendres qui tourneraient en même temps. Clairement, des fois, un tout petit badeligne acier sur des eaux un petit peu mâchées, comme la Seine, des grands fleuves comme ça, on peut se permettre un badeligne acier tout fin qui vous permettra justement de piquer le brochet qui est en activité sur le secteur pour le sortir correctement et éviter de vous faire couper et de lui laisser un hameçon dans la gueule. Et ensuite, de repartir sur un fluorocarbone plus fin, vous enlevez le badeligne acier, vous repartez en finesse un peu plus fin si vous voyez que les cendres et les perches recommencent à revenir. Parce que souvent, on arrive sur un poste, il y a un ou deux brochets qui s'invitent à la partie, qui vous coupent. Donc pour les piquer ou les sortir efficacement, vous pouvez chanter, mettre un petit bas de ligne acier et repartir sur du fluorocarbone après. Voilà. Donc on va trouver sur des avantages sur les trois matériaux. Les plus utilisés quand même sont les petits bas de ligne acier tout fin et le fluorocarbone. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai été assez concis. Hein. Je parle beaucoup à chaque fois, mais j'essaie de donner le maximum d'informations. J'espère que ça vous aidera dans vos choix. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci à tous de me suivre toujours plus nombreux. Donc, on va essayer de faire des vidéos un peu plus fréquemment maintenant. Merci et je vous souhaite une excellente fin de saison. Profitez bien de vos parties de pêche au bord de l'eau. À bientôt.